Les premiers résultats seront connus lundi matin. Nelson Mandela sera sans aucun doute le prochain président sud-africain. Pour la première fois depuis le début de ces élections, Frédéric de Klerk, qui est encore à la tête du pays pour quelques jours, a évoqué avec nos envoyés spéciaux Martine Laroche-Joubert et Jean-François Hoffmann le rôle qu'ils pourraient personnellement tenir dans cette nouvelle Afrique du Sud. Il est l'homme qui a réussi le pari le plus fou, organiser une transition pacifique en Afrique du Sud. À la veille des résultats, dans les locaux du Parti national, il nous donne son jugement d'homme. Comment vous sentez-vous ce soir? Je me sens très bien parce que j'ai atteint mon but pour le moment. Et mon but était de conduire l'Afrique du Sud à ces élections, d'où sortira un gouvernement d'unité nationale. Il représentera toute la nation. Les principaux dirigeants politiques du pays pourront travailler ensemble et assurer la réconciliation nationale en Afrique du Sud. Vous n'êtes pas un peu anxieux? Non, je dors sur mes deux oreilles. Je n'ai pas fait ce que j'ai fait pour ma carrière. Je ne suis pas un saint. J'ai agi comme cela parce que c'était une nécessité si nous voulions sauver l'Afrique du Sud et la nation. Nous avons sauvé la nation et nous avons sauvé l'Afrique du Sud. Je continuerai, que je gagne ces élections ou que je sois second, à jouer un rôle honorable et utile, un rôle décisif pour l'histoire de notre pays. Quel est l'avenir des Blancs ici? Merveilleux pour tous les Sud-Africains. D'abord, nous avons cessé de juger d'après la couleur de la peau. Et tous les Sud-Africains devraient en faire autant. Vous ne m'entendrez plus parler de blancs, de métis ou de noirs. Je ne suis plus le président blanc d'une nation blanche. Je suis un Sud-Africain, chef d'un parti qui ressemble au pays. J'ai le soutien des Blancs, des Métis, des Indiens et des Noirs. Et l'Afrique du Sud est comme ça. Vous allez devenir le numéro 2 du pays. Eh bien, si je ne deviens pas président maintenant, mon parti gagnera les élections en 1999.